outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform, and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. 5 minute journal, je sais pas si vous connaissez. C'est un journal. Aurélien, il en peut plus parce qu'il veut pas que je parle parce qu'il lit et puis il peut pas lire pendant que je parle. Mon pauvre chéri, c'est horrible de vivre avec une youtubeuse. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Au début, je voulais pas l'acheter parce que je voulais résister le fait que ce soit vraiment une trend, que tous les gens sur TikTok et Instagram, tous les influenceurs, ils ont ce petit journal. Mais maintenant, je comprends un peu pourquoi. Parce que c'est vraiment cool. Je t'écris la date du jour. Et là, t'as une petite quote. Alors aujourd'hui, c'est une quote, une petite phrase de Barack Obama. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. En gros, ça veut dire que le changement ne va pas venir d'une autre personne ou à un autre moment dans le temps, qu'on est la personne qu'on attend pour ce changement et que nous, on est la source du changement qu'on souhaite avoir, en fait, que ça vient de nous, en gros. Et puis après ça, pour la partie du matin, tu écris 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. So I'm grateful for. Après ça, 3 choses qui feraient en sorte que cette journée est une bonne journée. Donc, what would make today great? Et après ça, tu écris une daily affirmation. Donc, une affirmation pour ta journée. Ça peut être une affirmation que tu trouves en ligne ou ta propre affirmation que tu te crées toi-même. Et puis, le soir, tu as highlights of the day. Donc, quels sont les moments... comment on pourrait traduire ça? Les meilleurs moments, en fait, de la journée. Et là, tu en as 3. Tu peux en nommer 3. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Donc une leçon de ta journée. Donc voilà, c'est super cool en fait. Et ça prend 5 minutes à faire. Tu fais 3 minutes le matin, 2 minutes le soir. C'est pour ça que ça s'appelle le 5 minutes journal. Alors je vais faire ça maintenant. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love. J'ai complété mon petit 5 minutes journal, la partie du matin évidemment. Et maintenant, je vais... lire ce livre, c'est la biographie de Will Smith qu'il a écrit lui-même. J'ai lu le premier chapitre qui est un peu le chapitre d'introduction hier soir. Ça a l'air déjà vraiment bien comme livre. Je sais qu'il est très connu en tant qu'acteur, mais il est aussi super réputé pour tout ce qui est motivation et tout ça. Et donc j'ai hâte de lire son histoire et d'être inspirée par sa vie parce que je suis sûre que ça va être super inspirant. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini le livre. C'est quand même un gros livre, c'est 412 pages. Donc voilà, et puis en plus avec ma meilleure amie, on a un podcast en anglais et puis à chaque mois on parle d'un livre qui est en connexion avec la loi de l'attraction ou qui est une source d'inspiration. Et je sais que Will Smith, il a aussi souvent parlé de la loi de l'attraction. Donc là, on lit ce livre pour en fait, le prochain mois du podcast, donc il faut que je me dépêche à le lire aussi. Donc voilà, il n'y a rien de tel que de lire un livre inspirant à la plage. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Lunch rapide ce midi, enfin ce midi, il est presque 3h, hein. Mais on a salade, concombre, tomate et ici j'ai un reste de soupe, carottes, pommes de terre, gingembre, trop bonne. Et c'est super sain et super simple. Oui, on a quand même... pratiquement chaque quartier, il y a quand même un endroit où il y a un parc, de ce que j'ai vu en tout cas. J'ai pas non plus tout fait, mais... Oh mon dieu! Alors j'ai attendu de me calmer un peu et d'arrêter de pleurer parce que en me rendant au parc pour aller rejoindre Aurélien qui joue au basket, j'ai décidé de faire un petit live TikTok. Des fois j'aime faire ça quand je marche, parce que je sais que ça fait plaisir aux gens quand je fais des lives. Je me suis dit ok, je vais faire un petit live. Et là, au moment de traverser la rue juste pour arriver au parc, je me suis mais cassé la figure comme... Je peux même pas vous le dire quoi, je suis vraiment tombée par terre quoi. Ma cheville gauche est partie, je suis tombée sur le genou droit, tibia droit, mon genou droit est un peu en sang.
Et du coup, j'ai dû arrêter le live, évidemment. Et puis, j'ai appelé Aurélien en panique et j'ai dit, il faut que tu viennes me chercher, il faut qu'on aille au magasin et qu'on aille absolument chercher de quoi mettre quelque chose, de l'arnica ou quelque chose sur mes blessures pour pas que ça empire. Enfin, tu vois, de quoi de réduire l'épais choc. Mais là, je sens que ça va être enflé de ouf. Mon tibia est déjà en train d'enfler du côté droit. Ma cheville à l'extérieur gauche est en train d'enfler aussi. Et en fait, j'étais en pleurs, pas vraiment parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais j'ai toujours les tendances à me fouler les chevilles. Et en fait, je supporte pas ne pas pouvoir fonctionner comme je veux. En plus, j'ai commencé un nouveau programme de sport que j'aime énormément. Je suis dans une période d'essai qui est gratuite. Et là, du coup, je sais pas comment ça va tout chambouler parce que je peux pas faire mes séances de sport si j'ai mal comme ça. Parce qu'on est beaucoup sur nos genoux, on utilise beaucoup nos pieds. Bon, voilà, car on est à quatre pattes, on est debout. Donc ça m'énerve beaucoup. Et puis en plus, moi, j'adore marcher. Enfin, je sais pas si vous me suivez sur TikTok, souvent je vais marcher des heures et des heures. Enfin, j'adore ça. Et c'est la deuxième fois que j'ai une douleur au pied cette année. Et franchement, ça m'insupporte. Et c'est, je sais pas la combienième fois que je me foule les chevilles. Et puis pareil, c'est de l'argent qui doit être dépensé après pour aller voir un chiro ou un ostéo pour essayer de remettre les choses en place. Et en fait, ça m'a vraiment. Ça m'énerve en fait. Je vais vous avouer là, c'est. En fait, ça m'énerve trop. En fait, j'ai vraiment un problème où est-ce que je tolère pas, comme je tolère pas être malade, je tolère pas être quoi que ce soit qui me rend faible. Et puis en plus, je me sens vraiment stupide parce que pourquoi je faisais un live quoi. Mais en même temps, je marche tout le temps en faisant mes lives, j'ai jamais eu de problème. Et là, c'est vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Et pourtant, je regardais la rue, je regardais le feu, et je crois que la marche était beaucoup plus profonde que ce que je m'attendais. Et ça me fâche en fait. Bon là, Aurèle, je lui ai dit c'est bon, tu peux continuer à jouer, je vais me poser sur un banc et puis je fais des cercles avec mes chevilles, j'ai mis de l'arnica et voilà, mais je dois vous avouer que c'est quelque chose avec lesquels j'ai vraiment du mal à gérer tout ce qui est ce genre de truc là, les trucs physiques, j'aime bien être en contrôle de mon corps, après tout je suis prof de yoga et du coup ça m'énerve quoi. Donc on verra comment ce sera demain. En plus cette vidéo je la fais pour Vlogmas. Et puis bon, Vlogmas, mon intention c'est d'aller un peu partout et de vous montrer des endroits où il y a les décorations de Noël, et ça inclut de la marche évidemment, et du coup ça m'énerve si je vais être toute ralentie. Bref, on verra, on va pas voir comment ça se passe. Mais je voulais juste vous dire que je suis vraiment déçue de moi-même et fâchée par ça. Bref, je vous tiendrai au courant. As long as I spend this day with you, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Woohoo.